Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaeldan pour les Jeux du Cygne. On se retrouve dans ce let's play sur Crusader Kings 3 et Ryurik, notre fauteur de troubles, qui va partir à la chasse contre le gros voisin qui est Minsk, que nous allons essayer d'assujettir. Et donc pour cela, on va croiser les doigts, là, on va appeler notre allié. On va lui demander de nous rejoindre. Alors, est-ce que j'ai besoin? Non, lui, il m'aime bien. Et il est moins fort que mon maréchal actuel. Et lui, il a des stats toutes nazes. Donc, tant pis. Non, je n'ai même pas intérêt à changer mon gleb. Non, pardon, Volkve. Volkve. Voilà. Et ben c'est parti. Donc on va lever nos troupes en utilisant notre téléportateur. On va lever tout le monde. Les hommes d'armes d'abord. Et les pégus ensuite. Et alors, vous allez aller là. Et vous allez aller tout de suite ici. On va baisser un peu la vitesse. Et c'est parti. Mon allié me rejoint, c'est formidable. Et l'ennemi, en toute logique, a rejoint. L'ennemi, il est ici, donc il est juste à côté. Oui, pas des pillards. Ils vont avoir le droit de se servir, je vais pas les embêter, j'ai d'autres chats à fouetter. Et mon premier fils arrive. Je vais lui donner le nom, un nom d'origine russe. Allez, Dimitri. Oula, il est intelligent Dimitri. On va peut-être tout de suite aller chercher des... Ouf, hanté par la maladie. Enfant maladif. On va peut-être tout de suite aller chercher une alliance intéressante. Par exemple, pourquoi pas le Danois. Voilà. Voilà, c'est cette zone-là. Non, je vais demander la pause. Ouais. On va tout de suite s'allier à eux. Ah, ils sont apparentés. Put. Alors, on va peut-être pas... Quoique, est-ce que j'en ai quelque chose à faire qui soit apparenté? La Silésie, ils sont les Silésiens. Ils sont là. Ils sont quoi? Ils sont Svolansk. Même religion. Allez. Fiancez-vous. Alors du coup, comme je faisais pas gaffe, j'ai laissé passer un... Un adversaire qui s'est un peu faufilé. Hop. Les pillards qui se sont jetés sur moi, c'est formidable. Notre allié que nous allons appeler aussi. Tac. Pas très grave. Donc là, je vais... Ah, CCK3, comme d'habitude, il y a beaucoup trop de choses qui se passent d'un coup. Donc je vais laisser désarmer pour assiéger. Et je vais envoyer mes combattants pour aller chasser mon adversaire. Celui-ci, je l'espère, ne va pas trop m'embêter. Et ma belle-fille, mon fils... Ouais. J'ai un petit fillot, un petit fils. Ryurik. Allez, il s'appellera Ryurik. Non, il va s'appeler... Mon petit fillot va s'appeler... Le Cygne. Ah oui, forcément. Il a les pétoches et il s'en va. Ah zut, j'ai été intercepté par l'ange qu'à moitié ça.
Aïe, j'ai obtenu le trait blessé, c'est une très mauvaise idée. Vraiment pas une bonne idée du tout. Bon, c'est bon. Et ben voilà. C'est parfait ça. Alors je vais laisser mes deux sièges se terminer. Et ça, je dois bien avouer que c'est quand même nettement plus simple comme ça. Voilà, ça me donne un peu de sous-sous. Allez! Bienvenue, mon royal sujet. Alors, forcément, t'es pas très joyeuse. Je vais peut-être t'envoyer un petit cadeau. Ouais, je crois toujours cette prix. Tac. Voilà, et tout d'un coup, je peux créer mon deuxième royaume. Alors, je vais pas le faire tout de suite, parce que j'ai pas les sous pour. Qu'est-ce que t'as comme stat, toi? T'es pas bon. Bah, c'est formidable. J'adore ces gens qui sont pas bons. Bon, et ben, ça va grandement faciliter les choses. Voilà. Donc là maintenant, je commence à être assez costaud. Qu'est-ce qui m'a encore. Alors eux, je les ai battus. Là, j'ai encore des pillards que je vais aller chasser. Parce que ça rapporte du fric et des. Raté. Je voulais lever mes hommes d'armes. Parfois du fric et du prestige. Et je suis devenu le chef actuel. Donc, qu'est-ce qui va m'intéresser dans les innovations en premier lieu? J'ai besoin avant tout de se mettre en Algérie avant la fin de mon règne de Nador. Bien. Hop. Voilà, vous êtes emparé du butin. Oui, ça rapporte pas grand-chose. Allez, dispersons tout le monde. Donc lui, on a dit que, bon, comme il nous déteste pas trop, on va disperser tout le monde et on va repartir pour de nouvelles aventures. Donc, où en sommes-nous après tout ça? Notre empire de Russie, on a déjà 19 comtés. Allez. Je suis désormais célèbre. Est-ce que par hasard je pourrais faire déclarer des guerres pour des duchés? Non, il faut que je sois de rang 3 pour cela. Donc, qui sont les petits Russes que je peux. Enfin, de l'Empire de Russie. Là, il y a un petit que je vais pouvoir aller. Hop, conquérir. Pour 3 fois rien. Hop. Bon, là je conquiers très rapidement. On peut se douter que tôt ou tard, ça va pas plaire à certains. Allez, c'est toi que tu vas te convertir. 93%, ça c'est fait. Alors ensuite, toujours dans mes vassaux. Toi, tu. Voilà, que Roth soit loué. Pourquoi je suis pas en vite, je voulais de ça, donc je l'ai pas fait. Tac. Voilà. Alors, même chose, on va l'attribuer. Alors, sans doute à lui, puisque. Ah non, c'est pas le même duché. Donc, si c'est pas le même duché. Eh ben, c'est que c'est un nouveau duché. Je sais. Hop, voilà, un nouveau. Alors là, c'est le gros morceau, hein, c'est la Khazarie. Donc il va falloir que je devienne suffisamment gros, suffisamment vite, parce que si jamais il veut s'amuser
à me déclarer la guerre ou quoi que. Quoique. Ouais, le truc, c'est que je peux que assujettir pour le comté. Donc pour l'instant, c'est pas intéressant du tout. Mais c'est pas impossible que. Je pensais qu'il serait. Il aurait plus de monde que ça. Oui, il a quelques territoires quand même qui pourraient m'appartenir. Et voilà, il a quand même tout ça là. Donc, c'est pas impossible que tôt ou tard, j'aille lui faire des bisous. Alors, ici, on continue de conquérir rapidement. Donc, alors, j'évite de faire des petites guerres pour pas grand-chose. Parce que ça m'évite d'avoir des trêves, en fait. Zut. Là, il y a trois chefferies. C'est pas génial. Ici, la chefferie, elle fait partie de l'Empire de Russie. Bon, donc là, tout ça, c'est des duchés. Donc, il faudrait que je sois à 4 de prestige, en 4. Là, je suis actuellement en 3. Donc, il va falloir. Alors, je vais par exemple pouvoir aller chasser pour augmenter mon prestige. Attendez, d'abord, tant que j'y pense. Voilà, lui, il s'est converti, si je ne me trompe pas. Non, il s'est pas encore converti. Non, mais lui, même pas plus que ça. C'est lui qui s'est converti. Ouais, lui, c'est mon pote maintenant. Donc lui, il va falloir que je l'influence avant de pouvoir le convertir. Qu'en général, hein, dans ce jeu-là, il vaut toujours mieux avoir des vassaux qui sont de la même culture que vous et de la même religion que vous, c'est toujours plus facile. En particulier quand il y a des successions, même si là, normalement, je ne devrais pas avoir trop de questions de succession. Donc, là, et ben, tu vas partir en affaires étrangères. Donc, pourquoi est-ce que je le passe en gérer les affaires étrangères? Parce que ce qui m'intéresse, c'est ça, l'effet secondaire. Donc, on voit, il n'a que 13, hein, donc c'est quand même pas génial. Mais là, je vais, tant que je ne peux pas récupérer directement des duchés, et ben, je vais devoir prendre des comtés les uns après les autres. Pour prendre des comtés, ben, ça veut dire que ça te lance dans une trêve avec l'un de tes adversaires. Donc ça veut dire que tu ne peux pas tout de suite aller chercher la suite du titre. Et comme mon objectif, c'est d'aller le plus vite possible, et ben. Donc là, je vais me contenter de prendre ce comté-là qui me permettra de venir en contact ici. Hop. Hop. Tous les hommes d'armes et l'arme du Jarl. Attrapé. Boum. Ah. Donc je me retrouve avec un autre adversaire. C'est qui? Bon, moi je suis toujours blessé, faut quand même peut-être que je fasse gaffe. Parce que j'ai pas de super médecin, d'ailleurs. Rechercher un médecin, tac. On va attendre de me capturer. J'ai clairement pas besoin de les allier. Alors. Voilà, ça c'est très bien parce que ça va me permettre de faire des sièges un petit peu plus rapides. Voilà, on le voit. Voilà, les hommes d'armes m'apportent 0,6. C'est pas ouf, mais.
On va pas s'en plaindre. C'est toujours mieux que rien. Et voilà. Et donc là, je rentre en trêve avec lui. Oui, bon, il m'en veut même pas trop. Non? Ah si. Je suis en trêve avec lui. Alors, ici, bah, c'est de nouveau un nouveau... Un nouveau duché. Donc, je l'attribue à quelqu'un de nouveau. Et ben on se relance en guerre tout de suite contre ces deux-là. Alors est-ce qu'ils ont des alliés? Non, pas d'alliés. Je vais tant qu'à faire rester limitrophe. Attends, est-ce que... Donc, mes limites, elles sont là. Ça ne me sert à rien d'aller chercher plus loin. Donc c'est pure off, voilà, c'est ici et là. Ouais. Même cela, j'en ai pas besoin complet. Donc du coup, je vais déclarer la guerre à Pinsk. Pour cette baronne-là. Et puis ensuite, du coup, je pourrais aller commencer à m'attaquer à cette zone-là. J'ai pas regardé s'il y a des alliés. Il n'y a pas d'alliés. Tac. Mes fidèles hommes d'armes. Commence à y avoir un peu de monde. Alors, hein. Est-ce que la reine Ingrid aurait trahi? Examinons cela discrètement. Zut. Elle va être fâchée. Je pense que je vous remettrai. Alors, quels sont les compliments que j'ai noté? Sociable, juste et ambitieux. Sociable, juste et ambitieux. Il y a des attitudes incomparables, des aptitudes incomparables. À mon point de vue. Excellent. Et je l'ai découpé en deux. Et j'ai perdu le trait blessé, ce qui est une très bonne chose. Oh. La fille est mordue. Des choses qui arrivent. C'est une victoire. Merci. Rechercher un médecin. Est-ce que par hasard, il y aurait plus intéressant? Pèlerinage, banquet, chasse. Alors, oula, m'inspirer qui pour ce mot. Ah. Une petite arme, ça coûterait ou 85. Ça coûte cher. Peut-être pas. Là, ça peut être bien quand même vu que. Allez. On servirait pas pour autre chose.
faut juste que je pense à économiser les sous. Pour le jour où j'aurai mes... je réfléchis pas. Le jour où j'aurai de quoi créer mon empire, il faudra que j'ai quand même l'argent pour le faire. Bonjour. Veux-tu que je te déclare la guerre? Si tu ne le veux pas, c'est pas grave. Je vais quand même le faire. Alors, là, il y a un allié. Ah, la Lituanie voisine. C'est un allié un peu plus conséquent. Celui-là, on a dit qu'on avait besoin aussi de deux comtés à récupérer ici. Eh bien, déclarons une guerre un peu plus costaud. Allez. Du coup, je vais peut-être quand même appeler mes alliés là. Pas dire que ce soit très dangereux, mais... Je vais éviter de perdre de fortune. Bon, il n'y a vraiment personne en médecin, c'est le dash. Alors, on peut obtenir un dégât, pillage. Lié à la chevalerie ou au terrain. Allez. La chevalerie. Allez. Soyons un grand chevalier. Donc là, vous regroupez. Hop. Alors non, c'est dangereux ce que je viens de faire. Je vais laisser un peu de troupe. Donc là, je vais prendre une armée avec... c'est laquelle la mienne? La première armée. Donc dans la première armée, je vais mettre tous les hommes d'armes, tous les chevaliers. Hop, une armée de combat et une autre de soutien. Et le laisser ici, parce que donc là il a ses 743, j'aimerais bien qu'il ne me retombe pas dessus. Terrifier mes vassaux. Besoin de défi normal. Bon, j'avais peut-être pas besoin d'appeler mes alliés, mais c'est pas. Ça devrait pas être trop dur. Voilà, ça c'est fait. Eh ben, il nous reste juste à aller chercher la capitale.
J'avais clairement pas besoin de mes alliés. Voilà, et puis quand cette petite guerre-là sera terminée, on arrêtera l'épisode. Hop, allez. Allez me chasser. Tac. Une épée, efficacité. C'est pas ouf, mais on va pas s'en plaindre. C'est toujours ça de prix. Là, je termine le siège et. Ah, est-ce que je peux rançonner? Non. Je sais pas pourquoi je peux jamais rançonner personne. C'est pas juste. Ah si. Ah, je vais attendre. Alors, on disperse tout le monde. Merci à mes alliés et à bientôt. De nouveau, un nouveau duché. Donc, que nous allons accorder à quelqu'un de nouveau. Alors j'ai un autre gros morceau, j'ai Kiev. Kiev, je vais sans doute me le garder pour un petit peu plus tard quand j'aurai acquis le en rayonnant pour faire envahir le royaume. Ça, je ne peux le faire qu'une seule fois dans ma vie. Donc j'en suis déjà servi pour la guerre de l'épisode précédent. Et Kiev, je me le réserverai pour. Voilà, parce que. Bon, il n'y a que deux duchés. Mais. Voilà. Disons que ça. Ça fait un peu plus de. Un peu plus de troupes de zone d'un coup. À moins que je ne. Le réserve. Ouais, non. J'ai pas intérêt. Ouais, sinon, si, c'est sûr. Au niveau du Khanat, Khazari. Ah oui, c'est peut-être plus intéressant. C'est peut-être plus intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 13 d'un coup. Ouais, je le ferai peut-être là. Donc Kiev. Alors là, du coup, il n'y a qu'un seul. Ah, du coup, je vais peut-être aller chercher celui-ci. Comme un comté uniquement. Et l'autre en tant que duché quand je le pourrai. Ce sera plus intéressant. Mais ce sera lors d'un prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à mettre en commentaire ce qui vous passe par la tête. Donc, c'est. Voilà. Et voilà, on faudra aller chercher le nord ensuite aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé.